Fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous révèle. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont appelés. Ta parole est bonne nouvelle, signe de ton amour pour nous. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous révèle. Aimer le Père tel que nous sommes, choisis sans attendre demain. Recevoir l'Esprit qui libère, témoin du oui et frère par Dieu. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous révèle. Tu fais de nous. Venons nous laisser pétrir par le Seigneur, façonner par lui, par sa parole, chacun et ensemble. Recevons-nous ainsi de pouvoir être rassemblés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Façonner. Oui, nous avons besoin d'être façonnés par l'amour du Seigneur pour apprendre à aimer comme lui. Ensemble, chantons et accueillons sa miséricorde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, tu nous dis de nous convertir et de croire à l'Évangile. Pardonne-nous de ne pas toujours nous laisser réveiller par ta parole, en oubliant de tendre la main à celui qui en a besoin. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, tu nous dis de nous convertir et de croire à l'Évangile. Pardonne-nous de ne pas toujours nous laisser réveiller par ta parole et de douter de l'immense amour du Père que tu es venu nous apporter. En pitié de nous. En pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur. En pitié. Seigneur, tu nous dis de nous convertir et de croire à l'Évangile. Pardonne-nous de ne pas toujours nous laisser réveiller par ta parole et d'avoir peur de nous engager dans l'Église ou de donner du temps au service des autres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Puissant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa lumière éternelle. Amen. Chantons sa gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
sur la terre. Aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire. Gloire à Dieu, toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions ensemble. Père dont l'amour est éternel, toi qui rassembles ce qui est dispersé et fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Animé par l'Esprit qui t'unit au Christ, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. En introduction aux lectures de ce jour, écoutons une phrase de Madeleine Delbrel, grande figure spirituelle du XXe siècle. Entre 1933 et 1964, année de sa mort, elle s'est engagée pleinement dans l'annonce de l'Évangile dans les banlieues ouvrières du Val-de-Marne, que l'on appelait à l'époque les banlieues rouges. Par ses actions, elle a montré que l'évangélisation et l'engagement social au service des autres, même s'ils sont non-croyants, sont indissociables. La procédure de béatification de Madeleine Delbrel est en cours. Je vous lis donc sa phrase que vous pouvez également suivre sur les feuilles que vous avez. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent.
Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine, en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne. Et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ton amour ne l'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soit comme s'il n'avait pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. De Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle, de Jésus-Christ selon saint Marc. Après la résurrection,
l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici donc aujourd'hui, comme il nous a été dit dans le mot d'accueil, à célébrer le dimanche de la parole tel que le pape François, oui c'est bien lui, hein, l'a proposé. Bon, on s'y perd un peu, excusez-moi, hein, Jean-Paul a mis miséricorde, voilà. Bon. Entre nous, j'espère que je ne vais pas vouloir passer trop de papes pour ne pas avoir trop de dimanches nouveaux à intégrer dans ma petite tête. Voilà, vous couperez ça sur YouTube. Bon, le dimanche de la parole. Entre nous, puisque nous sommes encore dans la semaine de l'unité des chrétiens, merci à nos frères protestants d'avoir aidé les catholiques dans leur chemin pour se réouvrir à la parole. Peut-être les plus anciens d'entre nous se rappellent avoir eu tout juste droit à une espèce d'histoire sainte, mais sûrement pas dans la catéchèse, un accès au texte du Premier Testament, par exemple. Je ne développe pas plus, mais il aurait été dommage de ne pas faire mémoire de cet échange réciproque et fécond du dialogue œcuménique dans ce domaine. Bon, je vous invite à réfléchir aujourd'hui un petit peu, pas trop longtemps, sur qu'est-ce que ça veut dire, parole de Dieu. Est-ce que la Bible, c'est parole de Dieu, ou plutôt comment ça l'est? Facilement d'ailleurs, en prenant ou pas le lectionnaire, acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais je vais d'abord mettre une réserve. Contrairement à ce que disent des gens, certaines personnes, le christianisme n'est pas une religion du livre. Vous savez, on vous dit l'islam, le judaïsme, le christianisme, ce sont trois religions du livre. Non, pas pour les chrétiens dans le sens où religion du livre peut laisser entendre que Dieu s'adresse à nous en ligne directe, à travers les mots tels qu'ils sont écrits dans le texte biblique les uns derrière les autres. C'est pas si simple, et en même temps c'est bien plus fécond. La Bible, le livre là, j'espère ne pas vous choquer, mais ce sont d'abord des lettres, des mots, des phrases, des paragraphes, des chapitres, et une collection de livres. Alors soyons clairs, ne venez pas me brûler, même s'il fait froid. Je tiens bien que dans la foi catholique, la Bible nous est bien proposée pour nous mettre à l'écoute du Seigneur. On est bien d'accord? Ok. Et qu'on ne va pas commencer à faire du tri dans ce qui est proposé. Mais ce n'est pas Dieu en ligne directe. Je vous propose de regarder dans les textes de ce jour comment cette parole vient, comment elle agit. Ça pourra nous inspirer pour nous-mêmes. Et cette parole de la part du prophète Jonas à Ninive, comme de Jésus dans le début de son ministère, elle appelle à la conversion. Note en bas de page, cette conversion pour le peuple de Ninive, il nous est dit que, comme il se convertit, Dieu renonce au châtiment. Alors ça peut nous faire un peu peur et dire, mais il n'est pas bien cool là-haut. Je vous invite à nouveau à prendre un peu de recul et mettre des mots sur ce thème du jugement.
Aujourd'hui, nous ne dirions pas, nous n'écrivons pas de la même manière que Dieu cherche à punir ceux qui ne se sont pas convertis. Mais nous vous devons tenir très ferme et tout aussi fort que ne pas nous convertir, ne pas chercher à vivre dans la lumière du Seigneur, c'est passer à côté de quelque chose d'énorme, de grand, et que c'est vraiment au minimum pas lourd et perdre très lourd et très grand que de ne pas chercher cette lumière. Non pas donc dans la peur d'un châtiment, etc., mais parce que, comme c'est dit maintes fois dans la Bible, nous nous tenons à l'écart de Dieu et ce n'est pas un chemin de vie. Pour nous, ce n'est pas Dieu qui cherche à nous faire périr, c'est nous qui passons à côté de cette vie que Dieu nous propose. Bref, une parole, pardon pour la digression, une parole qui nous appelle à la conversion. Se tourner vers la lumière du Père, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quelque chose à ne pas rater. Un appel à la conversion dans cette parole pour, quelque part, ne pas rester dans le train-train. Il est bon de nous redire, de me redire que fréquenter la parole du Seigneur, ne pas la limiter à quelques idées, si généreuses fussent-elles, ça permet de goûter davantage la vie. À un moment, les scouts guides de France avaient sur leurs affiches cette phrase ou leur carte postale, la vie plus grande. À travers ce que la pédagogie permettait de découvrir les uns par les autres. Et j'aime bien cette expression, la vie plus grande ou plus profonde, par la fréquentation de la parole. Parce que je crois, chacun en prend l'aise selon sa propre expérience, que l'accueil de la parole du Seigneur, quand on se laisse travailler par le texte biblique, ça nous donne un autre regard sur la vie. Tout comme saint Paul le dit aux Corinthiens, je ne vais pas faire une grosse digression dessus, mais quelque part, n'oubliez pas qu'il y a l'éternité dans le moment présent. Voilà ce que ça signifie, cette lettre aux Corinthiens. Hein? Faites comme si vous n'aviez pas de femme, de ceci, de cela, etc. Il y a de l'éternité dans le moment présent et ne le perdez jamais de vue dans vos actions, vos réflexions. Oui, la parole qui nous donne un autre regard sur notre existence, sur les autres, même celui que je ne peux pas encaisser, ça peut arriver, et sur moi-même, même si je me trouve tellement indigne. La parole est source de conversion parce qu'elle convertit, elle tourne notre regard, et ainsi elle porte du fruit. Et donc, j'essaye de ne pas perdre le fil, c'est pas forcément directement des mots les uns derrière les autres qui vont toucher mon cœur, c'est parce que ces mots viennent toucher mon cœur que cette parole fait son travail, un travail divin, et que je vais confesser, que c'est bien la parole du Seigneur qui porte son fruit en moi. Et par là même, j'en témoigne. Parce que cette parole change mon regard sur la vie, sur les autres, sur moi-même, alors, forcément, comme dans l'Évangile, elle appelle. On a entendu cet appel de quelques apôtres. Eh bien, lorsque mon regard sur la vie, sur les autres, sur moi-même, change, comment la parole du Seigneur n'est-elle pas en même temps un appel ? La parole du Seigneur qui me conforte, qui me relève, qui me dit ma dignité et qui m'appelle à ne pas garder pour moi le trésor de la foi. C'est le premier thème du synode. Ah ouais, c'est calculé quand même. La parole qui convertit sans cesse mon regard sur l'autre, m'appelant à en être, à m'en faire le prochain, comme dans la parabole du bon samaritain. Prendre soin les uns et des autres, le deuxième thème de nos rencontres synodales. La parole qui me rappelle que la terre est confiée, que nous ne la possédons pas, que nous l'empruntons à nos enfants. Qu'elle est lieu de louange et d'accueil du Créateur. C'est le troisième thème du synode. Et puis on va réussir à compter jusqu'à quatre, ô merveille. Cette parole qui nous appelle, je vous renvoie à saint Paul notamment, à former sans cesse, être en conversion pour former des communautés accueillantes où chacun puisse trouver sa place. C'est effectivement le quatrième thème de notre synode. Voyez, soyons très clairs, vous l'avez senti, j'ai pas pu mûrir cette homélie autant que je l'aurais voulu. Hein. Mais
Parole de Dieu, c'est pas magique, c'est pas direct, c'est pas instantané. C'est parce que je laisse le temps à ce texte biblique que la foi catholique me dit comme parole du Seigneur qu'elle va devenir parole pour moi, parole pour nous. Et aussi que entre nous, à diverses occasions, nous allons pouvoir échanger sur cette parole. Et alors la Bible n'est pas un livre de recettes, n'est pas un livre d'idéologie. Elle est fréquentation, et bonne fréquentation, qui encore une fois tourne et retourne mon regard sur la vie, sur les autres, sur moi-même. Et si ça vous chante, je vous propose pendant le temps de silence qui suit de relire pour vous-même le psaume qui est apparemment sur vos feuilles et qui, je crois, témoigne de la manière dont le Seigneur nous convertit, notamment par sa parole. Amen. Parce que le Christ, parole faite chair, convertit notre regard sur nos frères et sur ce monde. Pouvons confesser notre foi en ce Dieu qui nous relève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. Aux humbles son chemin. Merci Seigneur pour ce monde et pour tous ses habitants que tu nous as donné pour y vivre en frères. Nous te prions aujourd'hui pour les dirigeants politiques, économiques et religieux de ce monde, qu'ils prennent toujours des décisions qui encouragent la fraternité et la paix, sans jamais oublier la justice, en particulier envers les plus humbles. Ubi caritas et amor.
toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Merci, Seigneur, d'avoir mis ton amour dans le cœur des soignants et des chercheurs pour les aider dans leur lutte contre la pandémie. Nous te prions aujourd'hui pour eux, car grâce aux soins que les uns prodiguent et aux vaccins que les autres ont découverts, nous pourrons enfin vaincre le virus cette année. Ubi Caritas, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Merci Seigneur pour ton Église universelle qui rassemble tous ceux qui ont choisi de te suivre. Nous te prions aujourd'hui pour tous les chrétiens de toutes les confessions, que ton esprit leur appelle à dépasser les différences accumulées au fil de l'histoire humaine et qu'ils trouvent le chemin du dialogue et du partage qui mène à l'unité. Ubi Caritas, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Merci Seigneur pour notre paroisse de Morsan et notre secteur pastoral du Val d'Orge qui nous rassemble pour écouter ta parole et te suivre. Nous te prions aujourd'hui pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui, n'ayant pu être présents, suivent cette messe sur la chaîne YouTube du secteur. Que nous soyons toujours des convertis, des porteurs de foi, d'amour et d'espérance autour de nous. Ubi Caritas, dans la charité soit signe de ta présence en ce monde. Nous te le demandons par le Christ le vivant pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des hommes, nous le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Ensemble, prions, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. En Jésus le Christ vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu dont l'amour est éternel. Par lui, tu nous conduis à la connaissance, par le Christ, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelons à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Dieu vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » En disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En communion particulièrement avec Geneviève Willem, Guy Edamon, Guy l'évêque, Mathieu Fernandez, Monique et Charles Perrin, les défunts des familles Perrin et Plenet, Michel Perrin, Claude Pivot, Maria Massa, Pierre Valérie, Aignette et les défunts de la famille, Gérard Berthet, Margaret et Arthur Jarre. Accueille-les chacun dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Sans sa dame, agneau sans péché.
péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau véritable, Jésus, fils de Dieu. Tu rassembles les hommes, agneau de la paix, agneau de la paix. Tu rassembles les hommes, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau véritable, Jésus, fils de Dieu. Pain rompu pour les hommes, agneau immolé. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sais moi, ma parole, et je serai guéri. Le corps de Christ ressuscité, nourrissons-nous l'amour éternel. Alors entends mon cœur.
si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien nous t'aimons. Alors entends mon cœur. Pour les personnes qui vivent la séparation ou le divorce, une journée de réflexion est proposée le dimanche 7 février, avec adaptation évidemment selon les conditions sanitaires. Tous les détails sont sur la feuille jaune ou sur le petit flyer qui est au fond d'église. Geneviève, la fille de Liliane Willem, est décédée. Ces obsèques auront lieu jeudi 28 à 10h30, ici même. Alors, je ne serai pas là dimanche prochain, c'est pour ça que je me permets de faire une petite annonce. Vous apportez des denrées alimentaires pour le Secours catholique. Hier, l'équipe du Secours catholique a accueilli trois petits nouveaux. Il y avait Gaëtan, il y avait Jean, il y avait moi. Parmi les choses qui seraient utiles pour les familles qui sont accompagnées, il y a notamment des produits d'hygiène, comme des couches pour bébés ou des serviettes périodiques pour les femmes. C'est des produits qui coûtent cher, qui coûtent cher à acheter. Si en faisant vos courses, vous pouvez participer, ça sera le bienvenu. Toujours ici et dans le coffre qui est au pied, du pupitre, hein, ou le samedi après-midi de 16h à 18h au local du Secours catholique. Je vous remercie.
après avoir célébré la Pâque de Jésus-Christ, nous te demandons encore, Dieu notre Père, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par ce même Christ le vivant dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu dont l'amour est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pendant le chant, allez pas. Allez pas sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde. Quelqu'un nous tend la main. Allez pas sur les chemins du monde. Sur cette map au monde où nous attend quelqu'un. N'aie pas peur de reconnaître. En ouvrant tes fenêtres, l'avenir, un appel a grandi. Allez pas sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde. Quelqu'un nous tend la main. Allez pas sur les chemins du monde. Sous cette map au monde. Attends quelqu'un. N'aie pas peur d'ouvrir la porte au vent qui nous emporte. L'avenir, un appel a grandi. Allez pas sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde. Quelqu'un nous tend la main. Allez pas sur les chemins du monde, sur cette map au monde, où nous attend quelqu'un. N'aie pas peur et réinvente la vie qui nous enchante. L'avenir, un appel a grandi. Allez pas sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde. Quelqu'un tend la main, allez pas sur les chemins du monde, sur cette map au monde, où nous attend quelqu'un. N'aie pas peur, tente ta chance, au vent de l'espérance, l'avenir, un appel a grandi. Allez pas sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde, quelqu'un nous tend la main. Allez pas sur cette map au monde où nous attend quelqu'un. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Et encore une fois, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Merci à vous.